Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator n'importe quoi de Starship Troopers sur le DLC Urban Onslaught. On reprend du coup notre petite bataille. Donc on avait perdu la dernière fois parce qu'on avait perdu 40 civils. J'avais complètement zappé qu'ils avaient un passage par ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on change nos plans. Il va falloir défendre là et également du coup défendre cette zone. Puisque bah on peut pas se contenter d'abandonner en défendant ici. Ils vont vouloir passer par là. J'avais l'espoir, j'avoue qu'il ferait le tour, mais c'est un échec. Donc, on va devoir recentrer un peu tout ça. Ici, il va nous falloir de la défense, donc on va laisser notre technicien avec la tour, avec les tours, et peut-être récupérer lui, on va voir. La difficulté là, c'est qu'il va falloir qu'on tienne ces deux fronts-là, plus ce front-là, donc ça fait globalement trois fronts. Je pense qu'on va prendre les tireurs là qui ont une très bonne portée et le peacekeeper plus quelques tours. On va démonter je pense ça et le déplacer ici. C'est parti, toi tu termines. Alors là foncez par là, vous foncez par ici, toi tu viens là. Toi, tu te replies ici. On va avoir besoin de toi pour faire de la tourelle. Ici, on a eux. C'est pas si mal, en vrai. Je pense qu'on va poser un mortier par là. Toi. Ça va être un peu tendu, là. Tac, tac, tac. Ici, du coup. On va poser une tourelle. On est en galère là. Replie-toi toi. Ah putain, il y a un... Sérieusement, il y a un cuirassé. Ok. Bon. c'est l'échec. Il faut qu'on recule un petit peu plus pour avoir le temps de se préparer, visiblement. C'est parti. Là, les... Ouais, donc je pense qu'on va du coup plutôt prendre les forces anti-émeutes, les mettre en haut. C'est de là où viennent les cuirassés. En tout cas, pour le moment. Alors. Ok. Là, c'est vraiment le tout début. Le tout début, le tout début. Très bien. C'est parti, donc vous, ici, toi, viens là. Ici, on a quoi? On a lui, on va le replier ici. Toi, tu viens là. On va avoir besoin de défendre un peu par là. Ici. Tourelle. Défense. Toi, tu vas tenir cette zone. Ici, on a quoi? Toi, tu dégages. Ici, il nous faudrait du monde. On n'en a pas. On va faire venir un autre mec comme ça, un comme ça, c'est parfait. Faut qu'on tienne cette zone là, vous, par ici. Toi aussi. Ici, on va venir le mettre par là. On construit. On va mettre un mortier par là. Là, on va détruire. Ici, on est un peu léger. Je pense qu'on va envoyer lui. Bug attacking done, mais pour le moment, c'est par là, par là, par là, par là. Ok, très bien. Il sert à rien. Mets-toi avec un bon angle. Ah, ici, il y a des civils qui peuvent sortir. Il faut qu'on aille se mettre tout là-bas, sérieusement. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Vous, venez par là. Tac, tac. Ici, on a fait le taf. Où ça?
Ici, bon, ici pour l'instant il gère. Ça me va. Ici pour l'instant c'est ça va. Ah, là il va falloir. Recule un peu toi. Toi tu tiens. Ici c'est bon, ici on tient comme on peut, on a du technicien qui arrive, viens nous placer une tourelle là. Et j'aimerais bien une autre ici, derrière le squad anti-émeute. Là ça tient comme ça tient, eux ils sont... Merde, ils sont pris une fessée on dirait. Je peux pas faire venir un mec. Non, je peux pas faire venir un mec. Ah putain, ici, un connard de cuirassé. Vas-y, pète-lui le cul. Ah, il va nous cramer. Bordel, on est tellement long avec lui. Oh la vache, quoi. Encore 47 secondes, vous faut revenir là. Oh la vache. Ici ça se passe comment? Ça va. Ah putain, il y a de nouveau des... Non, il faut reculer là. Ok, on a perdu le mec ici. Il nous reste 16 secondes, c'est presque trop court, quoi. Oh la vache. Fait devenir un autre mec comme ça, il nous faudrait un comme ça. Un comme ça. Ah ouais, là c'est la violence, hein. Vache. Fall back with the non-commies across the bridge, unless you fancy joining tonight's bug feast. Ah, il va nous falloir un peu plus lourd là. Là, je les gère, je contrôle pas. Okay, très bien. Repli réussi. Eh ben écoutez, ça s'est pas joué à grand chose, mais ça passe. Bon, on a réussi à pas monter. Enfin, on a pas monté nos anti-émeutes, donc on n'a pas pu faire le petit succès de base, mais c'est pas grave. Voyons voir. The arachnid outbreak in Mahanagar has grown in scale. Accepting responsibility for the debacle, Governor Govac has resigned from his position, placing the city under martial law as his last official act. Would you like to know more? The bugs must be stopped in their march toward the central district, and Terran Command has the answer: the tactical destruction of all district bridges. TAC fighters operating from the city starport are already in flight to execute this plan with pinpoint destructive precision. Parfait. On va se retrancher comme des sacs. Alors, éliminer 20 parasites à l'heure de la capacité frappe améliorée du M7 Cyclone. On l'a pas encore vu, le M7 Cyclone. Et construisez 5 tourelles sur le dernier pont. Ok. Le M7 Cyclone. Qu'est-ce donc que ceci? Encore de quoi détruire des parasites encore plus vite, encore plus fort. Ah, l'échec, quoi. Ok, alors premier truc, on va récupérer ça. Pour l'instant, on a que ça, d'accord. Ok. En arrière. On va construire des petites tourelles pour soutenir. Ok, donc aller attirer les saloperies n'était peut-être pas l'idée du siècle.
some of my bosses at Intel Keys. I don't know how you've been missed as a psychic all these years, but it's sure saving me a few scrapes on this op anyway. Fed intelligence are watching, huh? That got you worried you might one day be saluting me, Major? More the idea that you or those cranks might be rooting around inside my head. Never have warmed to that. I'll save the rooting for later, Major. Bug's on the way! Anything broken? Ah ouais, là, effectivement, ils ont merdé, donc c'est la grosse teuf, quoi. Nid de frelons, ah la vache. Ça, c'est des nouvelles unités aussi. Bon, il y a des trucs à récupérer, mais on va pas y aller avec nos petits ingés tout piou-piou, là, clairement. Ah, et du coup, merde, j'ai pas pu construire ma deuxième tourelle, là. On manque un peu de ressources, les gars. Il y aurait moyen de nous enfiler plus ou comment ça se passe? Merde, je les ai envoyés justement où je pars la main. We'll close up shop behind us to ease the attacks on your end. Let's keep raising the bridges all along the canal, troopers. Attends, reviens. Viens-toi. Répare-nous ça. Ok. Alors, on a ça. On peut faire venir des techniciens, mais ça ne nous sert à rien. C'est parti, on avance. Putain, on est comme des cons, là. Reculez, là. Reculez. Ah, bande de cons. Déployez-vous de l'autre côté. Pour avoir un peu plus de place pour bouger. Voilà, c'est parti. Ok, super. Avancez par là, vous. Toi, viens te mettre là. Vous remontez un peu. Des frelons, qu'est-ce donc que ceci? Les arachnides volants passent le plus clair de leur temps à défendre leur nid. Si leurs projectiles ne sont que peu destructeurs, le véritable danger reste dans leur nid, généralement fréquemment situé à proximité, qui génère un flot incessant. D'accord. Effectivement, faut qu'on avance du coup. En plus, ils tirent quoi. Ok, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on progresse en même temps qu'on tire. Alors, on va devoir quand même éliminer ça avant. Tire dessus là. Allez, on avance pendant que les autres tiennent les frelons. Allez, défoncez-moi ça. On progresse avec vous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est bon. Bordel. Fantastique, on a récupéré une cache, on va pouvoir mettre un mortier. Et on a plus assez, putain. Et bah c'est tout. Si, on peut peut-être se soigner, vite fait, hop, avant de partir. Construction complete. Ouais. Fais-nous ça, voilà. Tu peux pas capturer les trucs, toi. Ça, c'est ballot. Là, ils sont remis. Ah non, putain, mais... Reviens-toi. Bon, fais ça ici. On est efficace le mortier sur les éclateurs, c'est plutôt cool. Là, malheureusement, cette tourelle est mal placée. Je vais les déplacer vite fait. Hop, je veux une tourelle devant eux. Et le canon lourd derrière là. Voilà.
Ici. Il y a un tunnel là. Ils peuvent nous tirer dessus d'en haut. Repliez-vous. Ok, là, ça va, les éclateurs ils sont mal placés. Où est la ruche qui va avec ça? Elle a un tunnel là, un tunnel là. Ok. Ici, on peut s'emparer de ça pour lever le pont. On a récupéré de la cache de provisions. Est-ce que ça nous permet de faire venir plus de monde? Qu'est-ce qu'on peut faire venir? Ça, ça me paraît pas utile. Plutôt une escouade d'assaut. Ok, parfait. Faut qu'on progresse par là. Alors attention, il y a des cocos là. Vous venez. Par où on peut passer pour là? Faut passer par ici. Okay. Merde. Il y a de la saloperie. Faut venir là, non, c'est bon. On a pu le gérer. Déployez-vous un peu. Oh la vache, il y a un nid de frelon en bonus quoi. Vous vous foutez? Tirez sur ça si vous pouvez pas. Ah merde! Putain. Ok, déployez-vous. Les deux là, ils sont extrêmement mal placés. Allez, grenadez-les, ces enfoirés. Là, on va avancer par là. Allez, gérer ça. Là-bas, il y a des enfoirés qui vont nous tirer dessus. On recule. Est-ce qu'on peut se soigner ici? Parfait. Putain, on va tirer dessus, là. Allez, pétez-le, reculez, non c'est bon. En avant, ici. On peut pas descendre là. La ruche est pas encore nettoyée, là ils vont ressortir. Attends, c'est l'enfer cette zone. Hein. Elle est tellement restreinte partout quoi. Notre unité cage est morte. Ah merde, j'avais pas vu ça. Reviens-toi. Allez, faut pousser. Ici, c'est propre. Hop, en avant par là. Toi, tu te pointes. Est-ce que tu peux te mettre sur ces trucs-là? Non. Là, il y a un con, là. En plus, il y a des angles morts de partout. On peut pas tirer sur le truc, quoi. Vas-y, grenade ça. Il faut qu'on pète ce nid. On va progresser par là. Toi, tu restes en défense. Ah merde, il y a un éclateur là planqué dans l'angle mort. Putain, qui c'est vous? Non, restez là parce que ça va popper ici. Il faut se concentrer sur ça. En grenade. Ok, c'est bon. Attention, là, ça va popper. On recule. Déployez-vous un peu. Oh non, sérieux. L'enfoiré derrière, quoi. On le fasse venir, d'une manière ou d'une autre. Vas-y, shootez-le là-bas. Il est mort, parfait. Le deuxième. La
Ok, il tire sur des trucs. Bon, toi, va te soigner vite fait pendant qu'on y est. Là, ça va se remplir. La ruche, on en est où? Il y a deux éclateurs et encore une vague. Ah, ils sont en train de venir, là. Allez, deuxième. Ok, c'est bon. Vous venez là, défoncez ça. Putain, là, ils vont prendre... Je suis loin d'être vide encore. Allez, faut avancer. Ah, l'autre qui est planqué derrière, sérieusement. Est-ce que tu peux aller sur un endroit intéressant là? Non, pas vraiment. Merde. Ok, ça c'est fait. Vous vous revenez. Toi, tu vas te soigner. Quel enfer. Encore long d'avoir nettoyé la ruche. Merde. Putain, qu'est-ce que tu fais toi? Défonce-moi ça. Alors ici ça repop, un éclateur, parfait. En avant, en position. Ici ça va repopper de nouveau également. Ça c'est fait. Y'a rien qu'on peut faire venir là. Non. Allez, on effonce ça. En avant. Non, ça va prendre un 2 là. Un 2 de puissance, putain. Il faut y aller. Parfait, c'est vide. On envoie un 5. Les jauges sont bien vides, ça devrait le faire. Vaisseau de livraison plus 1. Alors j'en suis bien content. Oh non, sérieux, il y a du plasma en plein milieu. Bring up the cyclones. The MI's newest toy will be able to rush its position with ease. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? La plateforme d'armement offre des tirs d'appui hautement mobiles. Le Cyclone dispose de canons automatiques pouvant venir à bout des cibles au sol et aériennes moyennement blindées, ainsi que d'une compétence de saut lui permettant de se positionner plus avantageusement et de se mettre hors de danger. Alors, sauter par-dessus les obstacles, les évaluations pour atteindre une position ciblée, sauter sur une position ciblée tant en affichant des dégâts explosifs, et on peut se réparer... Ah non, permettant au cyclone de réparer d'autres unités, tout en activant la fonction de réparation automatique pour le cyclone lui-même. Ok, très bien. Alors le plasma, ouais, clairement, c'est clair que ça n'aide pas. Putain, j'ai envoyé la seule unité qui peut rien faire, là. Allez. Alors, on a de la croissance de ruches, on a des tigres. Parfait. Oh putain. Ah bah heureusement qu'ils sont coincés, eux. On peut monter par là, non. Ouais, du coup on est un peu seul, forcément, ça fait chier. Alors, on a capturé de la cache de provisions. On est capable de faire venir du monde, mais on est capable de mettre M7 Cyclone ou officier de liaison. Ouais. M7 Cyclone, je pense. Ça coûte combien? Trop cher. Un petit opérateur radio, parce qu'on va pas avoir trop de quoi se protéger, là. Ok. Alors moi je veux bien... Oh putain. Barrez-vous.
Ah ouais, bah, parce que du coup là c'est un peu la merde. En arrière les gars. Grenadez-moi ça. Toi. Alors là, on est devenu... On va prendre le petit drone bombardier. Qu'on va immédiatement envoyer là-bas. Parfait. Il me faut l'unité cage là. Oh putain, il y a une zone à 3 ici. Bon là c'est géré. Avancez par là vous. Couvert par vos potes. Oh non, ils nous ont tué le cache, sérieusement. J'hallucine. Ah ouais, non, mais c'est la fête, là. Mais parfait, un plasma launch en plus. Et là, c'est revenu à 3, vous êtes sérieux? Putain. Pose une zone là, toi. Oh là là, on est en train de se faire défoncer le pompe. Il nous faut du renfort. Toi, viens là-bas. Toi, t'es d'élite, s'il te plaît. Va te soigner. Ah ouais, non, les frelons, c'est l'enfer. Hein. Putain. Toi, viens te soigner. Ok, qu'est-ce qu'on a? On peut peut-être recruter ici plutôt. Ce serait beaucoup plus pertinent. On a toujours pas réussi à nettoyer plus que ça, là. Vous êtes sérieux? C'est tellement abusé. Qui c'est qui meurt? Pourquoi tu meurs? Quelle idée de mourir. Prends donc un pompe et défonce-moi tout ça. Il y a tellement de monde, c'est dégueulasse. Le plasma launch. L'éclateur qui nous fait chier. Allez, grenadez-le. Toi, faut que tu viennes, là. Ah, mais c'est un truc de fou avec les trois niveaux, là. On peut rien faire, quoi. Vous, venez, on a besoin de vous. Il nous faut, du coup... il nous faut plus de force de frappe, tant pis pour l'opérateur info, clairement. Toi, viens là. Oh merde. Putain, vous êtes sérieux, quoi. Tous ces éclateurs, vous là, venez par là, là. Oh là 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 là. Quel enfer. Ok, essaie de réparer ça, toi. Je sais pas combien de temps il va te falloir, mais... Fais de ton mieux. Oh, le plasma launch en plein milieu. J'hallucine au moment où les mecs, ils arrivent, quoi. Oh là 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 là. C'est hallucinant. Putain, c'est hallucinant. Non, faut reculer là. Non, ils sont coincés, c'est mort. Grenadez-les. Là, on va crever. Bon, on n'arrive à rien. Repliez-vous. Repliez-vous. Une deuxième unité cage. Putain. Mais avec eux, on pourrait vraiment avancer, là. Allez-y, on va essayer. Il est où, le machin? Il est tout là-bas. Est-ce qu'on a réussi à esquiver? À peine, ça va. Toi, monte. On peut rien faire d'autre. Ils peuvent pas réparer ça. Bon, là, il y a un tunnel de parasites très mal placé. Alors, j'avoue, ils sont plutôt énervés, les machins, par contre. Hein.
Ok, bon, ici. On se replace. Là, on a peut-être été un peu gourmand. On va le laisser là, Putain, il est déjà quasiment mort. Ok, on a déjà perdu un cage. Ça va tellement vite. Ah, on a perdu nos cyclones ici. Ils ont réussi à péter le truc. C'est la bonne nouvelle. Ils vont nous aider ici, du coup. Clairement. Vas-y, essaie de réparer, toi. Pendant que c'est un peu plus calme. Attends, ils durent fort. Toi, viens là. Ok. Parfait. Tout ça c'est en 1. Ok. Viens par là. Viens par là. Toi, ici. Il faut nettoyer cette rue. On a récupéré 5 trucs, mais on peut pas faire grand chose avec, je pense. Ça, c'est 20. Ouais, on a 2, on pourra faire une autre unité cage, mais on pourra surtout faire un opérateur radio. Oh, putain, il se fait défoncer. Vas-y, répare. Eux, ils se font péter les fesses également. Toi, viens par là. Ici on arrive à gérer, on a bientôt nettoyé là, ils vont sortir leur nouvelle vague, déployez-vous un peu mieux. Toi tu peux mettre une position là-bas, parfait, c'est nickel ça. Ah non, 3, t'es sérieux, il y a encore un autre nid là-bas. Oh la vache. Ah ouais. C'est vraiment l'enfer hein. Ok. On va laisser ça et ça là. On va lancer l'assaut avec vous. On va laisser un cage là. Toi, tu vas rester là avec le mortier Brivac. Ça devrait suffire. On avance avec ça avant que ça repop. Merde, oui, ma souris. J'ai perdu ma souris. Faut qu'on reste trop près du nid là. De la sortie là. Toi tu peux combattre en avançant, donc combat en avançant. Grenadez-moi ça, grenadez-moi ça. Ouais bah la tourelle va tenir comme elle tient. Hein. Défonce-nous ça toi. Vous passez un peu plus devant. Ok, le nid frelon est géré déjà, c'est cool. Maintenant, il faudra bêter cet éclateur. Très très bien. Ça repop ici. Ici, c'est fait. Il y a besoin de réparer. Non, ça va. C'est parti. Voilà, là, ça passe. Viens par là, toi. S'il te plaît, t'as un jetpack. C'est pas la peine de marcher. Allez, on gère cette ruche. Parfait. Alors c'est cool d'avoir des vaisseaux de livraison en plus, mais je vois pas bien l'intérêt. Ici ça donne quoi? Nos tourelles, elles ressemblent à quoi? Oui, ils sont un peu coincés, mais les tourelles ont l'air de faire le taf. Par contre, du coup, il nous manque la cinquième tourelle. Il y a un tigre ici, là, qui tape sur le brise-vague et qui sait pas se faire tuer. Putain, sérieusement. Vous, non, vous, là. Passez par là. L'opérateur radio. Invoque-nous un truc ici. Hop.
Putain, j'avais pas vu le petit tigre là. Hein. J'aurais pas vu du rouge sur la map. Je sais pas ce que j'aurais. Ok, ça y est, il m'a vu. Voilà. Ça aurait été con de perdre le mortier sur une connerie pareille. Bon, là, faut avancer. Toi, tu vas choper ça. Ah oui, on peut faire le tour que par là. Parfait. En avant. Il reste personne d'autre à soigner. Go, 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 les gars. Il y a un truc à prendre juste là, là. Une station de radio juste là. Sans déconner. J'hallucine. Alors, réinitialiser la turbine. Parfait, faisons donc ça. You better not be in my head, Keys. It's worse than whatever you've got bouncing around in there, Major. Une tourelle là, non? Something nasty is lurking in that plant. Then I suppose I should introduce myself properly. Alors, dans la centrale, c'est juste là. Ok, très bien. On va détruire ça pour avoir de quoi faire. Une tourelle de plus et avoir le succès. Tac. Il va falloir qu'on avance. Alors, à quoi ça ressemble? Une unité de plus comme ça, du coup. Alors, normalement, on en a fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça me fait pas de succès. J'avais pas mis un canon lourd là? Non, peut-être pas. Bon. Les piou-piou. Vous allez jeter un œil. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Là, il y a un mortier brise-vague à construire, mais... Ah, on aurait pu avancer avec les techniciens, avancer la ligne de front, peut-être. Mais c'est tendu, quand même, hein. Ok, il y a des ennemis. Je me disais, c'est un peu calme. Wow. Un nid de frelons mobile. Ok, on a de la vision de merde là. Alors, les cuiralons. Le cuiralon n'est pas une sous-espèce d'arachnide distincte, mais plutôt le mélange symbiotique d'un cuirassé et d'un nid de frelons. Parfait! Ces nids dorsaux libèrent un flot incessant de frelons pouvant submerger les unités d'infanterie et les véhicules légèrement blindés. Bien qu'ils soient vulnérables aux tirs concentrés de fusils et aux attaques du M7 Cyclone, la faculté du cuiralon à générer de nouveaux frelons à distance fait de lui une menace constante. Si vous souhaitez pouvoir atteindre et neutraliser cette monstruosité tantôt en poussant les essaims de frelons, vous allez devoir faire preuve de prudence et de stratégie. Alors, il fait naître des frelons et il libère un essaim de frelons quand il est éliminé. Nickel. Et bah du coup, on va attendre le prochain épisode pour faire preuve de stratégie. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.